bonjour, moi c'est Amy. Je travaille en cuisine avec Franck depuis maintenant 2 ans et demi. Donc on travaille en binôme. Franck, ça fait 23 ans maintenant qu'il travaille en cuisine, qu'il fait manger les enfants. Moi je m'éclate, je fais les préparations du matin, donc je fais ma cuisine le matin. Pendant le service, je sers les enfants, donc je suis avec les enfants, donc ça c'est génial aussi. On a eu du nouveau matériel, donc du matériel super pour pouvoir travailler, donc c'est génial. On a justement maintenant une pièce climatisée pour pouvoir travailler le frais, donc ça c'est top. On a une chambre froide aussi où on peut stocker tout ce qui est légumes, tout ce qu'on peut aussi faire décongeler, par exemple la viande, je la fais décongeler la veille, donc je peux la mettre en chambre froide. On a une chambre négative pour le congeler. On a une légumerie qui sert justement à rincer tous les aliments avant de les travailler dans la pièce climatisée. Après, on a le sas où on reçoit toute la marchandise le lundi. Donc, on doit surtout respecter la chaîne du froid. Donc, un exemple, si l'aliment, on le sort du congélateur, il faut directement le filmer et le mettre en chambre froide justement pour ne pas casser la chaîne du froid. Parce que si on le laisse à température ambiante décongeler, en fait, il y a les micro-organismes qui viennent. Et tous les 20 minutes, tous les 20 à 30 minutes, en fait, bah, ils se doublent. Donc du coup, c'est pas bon du tout. Donc voilà pourquoi il faut respecter la chaîne du froid. On prend des petites portions de tout ce qu'on a préparé dans la journée et on les met en chambre froide. On les garde 5 jours. Et du coup, en fait, ça nous permet que si demain un enfant tombe malade, de vérifier si ça provient bien de la cuisine. J'aime faire manger les enfants, je suis contente quand les enfants se régalent justement et me disent « Amy, c'est super bon, ce que tu nous as préparé, ce que vous nous avez préparé, on se régale » et ça c'est juste le sourire de l'enfant, franchement c'est le top.